Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un futur gros chantier de construction, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste voir un petit tuto ultra rapide. C'est une petite astuce que j'ai trouvée récemment. Grosso modo, je sais pas si vous aussi, comme moi, quand vous construisez, vous êtes un petit peu embêté, on va dire, par le jeu. Il vous laisse pas construire en avant dans le vide, c'est-à-dire, bah, vous voyez, par exemple, si je veux construire un sol là, même si je me mets bien au bord ici, bah, grosso modo, j'arrive pas à poser le bloc. Et ben, bah, j'ai compris quelque chose que tout récemment. Grosso modo, si vous faites attention, regardez votre personnage, le curseur il est légèrement, enfin il n'est pas au centre, il est légèrement décalé sur la droite du personnage. Et du coup ça a un effet direct, c'est que si vous vous mettez, alors ça marche sur les constructions de 2 et pas sur 1, parce que si c'est sur 1 on peut pas poser les blocs en dessous de soi, on gêne la construction, vous le savez, vous voyez là ça met en rouge, c'est bloqué. Mais si c'est une construction de 2, et bien vous vous mettez tout simplement sur le, enfin, sur le côté droit du truc et vous visez sur votre gauche. Et du coup vous pouvez étendre largement facilement, vous voyez, là je vais recommencer, je me mets bien au bord, bon. Faut prendre le coup, vous voyez, là ça l'a mis tout de suite. Hop, on pose. Et du coup, bah là, je suis encore en contact, donc ça l'empêche. Mais voilà, du coup, ça vous permet d'avancer directement en fait dans le vide. Et ça ne vous empêche pas par contre d'avoir les contraintes de physique. Donc il faudra bien consolider vos structures. Mais en tout cas, ça peut être assez pratique. Et je me suis dit que je voulais partager ça avec vous. Voilà, c'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.